Bon, alors là, je suis vraiment très très embêté, les gars. Donc voici l'Opus, le fameux livre sorti juste après la mort de Michael. Vraiment très très bel ouvrage, très rare, très cher. Mais malheureusement, dans cet ouvrage, il y a deux pages qui ne peuvent plus rester attachées à ce projet. Regardons tout de suite les pages concernées par ce problème. Page 263. Alors, franchement, je peux plus du tout supporter cette double page. C'est vraiment trop pour moi. Citation avant de commencer que je vous ai traduit en français. Michael Jackson a changé le monde et plus personnellement ma vie pour toujours. Il est la raison pour laquelle je danse, la raison pour laquelle je fais de la musique et l'une des principales raisons pour lesquelles je crois en la pure bonté du genre humain. Il était un de mes amis proches depuis 20 ans. Sa musique, ses mots personnels d'inspiration et d'encouragement et son amour inconditionnel vivront en moi pour toujours. Il me manquera incommensurablement, mais je sais qu'il est maintenant en paix et qu'il enchante les cieux avec une mélodie et un moonwalk. Je t'aime, Michael. Wade Robson, 2009. Bon, les amis, ça suffit. Il faut absolument enlever cette double page de votre opus. Je vous en conjure. Première solution, vous pouvez tout simplement arracher cette double page ou alors vous pouvez couper proprement cette double page pour ne pas abîmer le reste du livre qui est quand même assez correct dans l'ensemble. Donc, je vous propose tout d'abord de protéger la partie que vous allez garder comme ceci. Ensuite, nous prenons la fameuse double page qui nous chagrine tant. Malheureusement, il y a des photos avec Michael qui vont partir avec. Mais c'est pas grave, c'est un mal pour un bien. Le cutter, très important, tout neuf. Et là, oui, je vais le faire, je m'apprête à le faire. Et oui, tout à fait. Un livre à 300 euros, même peut-être plus cher à l'heure d'aujourd'hui. Eh bien, j'y vais. J'y vais, je coupe ces pages. Je n'en peux plus. Faites pareil à la maison, je vous en conjure, faites-le, coupez ce livre et enlevez ce diable de ce bouquin, s'il vous plaît. Et voilà, la fameuse double page est enfin enlevée. Il va maintenant falloir détruire ces pages définitivement. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre ces pages à la poubelle. Imaginez si quelqu'un d'innocent tombait sur ces fameuses pages. Ce serait dramatique. Donc la méthode la plus appropriée pour détruire ces pages, c'est le feu. Je vous conseille d'employer cette méthode le plus rapidement possible. Mais surtout, faites très attention, n'allez pas mettre le feu chez vous. Donc surtout, faites ceci en toute sécurité. Et voilà les amis, je me sens beaucoup mieux, ça y est, je peux remballer mon opus et le remettre dans ma collection. Allez, à bientôt!